dans ce secteur. Cette campagne vise le cœur de l'objectif de l'agenda de travail décent de l'OIT. En développement économique durable, la réduction de la pauvreté et la justice sociale. De mon point de vue, la campagne GoReCy ne pourrait pas être couronnée de succès si les conditions de vie et de travail des gens de mer sont indécents ou perçus comme tels. Cette année 2010 est aussi déclarée l'année du gens de mer, l'année du marin. Une ratification étendue de la MLC sera vue comme un engagement public fort et une étape déterminante en vue d'attirer et de retenir les marins, en particulier pour les navires engagés dans le transport international, qui pourront être certifiés comme offrant des conditions de vie et de travail décentes. Je m'interromps un instant pour vous rappeler que la Convention du travail maritime a aussi vocation à s'appliquer aux voyages domestiques et qu'elle peut à ce titre aider à la modernisation de ce secteur. De cette manière, il est aisé pour moi d'expliquer en quoi le MLC est essentiel pour le transport maritime international. Si les conditions de travail dans ce secteur ne sont pas décentes, très peu de personnes, et certainement pas les personnes les plus qualifiées, chercheront à faire carrière ou à rester dans cette industrie. Ceci aura des conséquences graves sur le transport maritime international et augmentera les inquiétudes en ce qui concerne la sécurité maritime et la sécurité environnementale maritime. L'importance de cette convention a encore besoin d'être démontrée. D'autres problèmes cruciaux pour établir les conditions de travail décentes pour les gens de mer, mais en dehors du champ de la convention, devraient être abordés et réglés au plus vite. Une de ces problèmes pour des raisons de restriction de visa. C'est pourquoi, en même temps, pour l'OIT, une ratification et une mise en œuvre étendue de la convention numéro 185 sous les pièces d'identité des gens de mer révisées 2003 qui permettent d'établir un système sécurisé multilatéral d'identification des gens de mer permettant d'éviter certaines épreuves souvent humiliantes que sont parfois amenées à subir les gens de mer, de même les perturbations causées à l'industrie par quelques mesures unilatérales qui ont été rapportées jusqu'à présent. J'ai signalé il y a un instant que l'importance de la MLC a encore dû se rentrer en vigueur et sa ratification étendue ne constitue pas un objectif en soi. La Convention a besoin d'être mise en œuvre de manière effective. Tel est l'objectif recherché. Toutefois, elle ne pourrait ne sont pas mise en œuvre globalement. Cela requiert une compréhension approfondie des innovations et des mécanismes contenus dans la Convention, la disponibilité de ressources adéquates, notamment pour l'inspection, de même que pour assurer une coopération efficace des parties impliquées, notamment les amateurs, avec les autorités compétentes, bien qu'avec les organisations des gens de mer. Je pense actuellement et particulièrement aux mesures destinées aux amateurs, adaptées
adaptée pour assurer la conformité permanente, y compris la surveillance de l'application de ces mesures sous l'autorité du capitaine. Je suis en fait confiante que de ce point de vue, nous sommes sur la bonne voie. Les 4 années et demie qui sont écoulées depuis l'adoption de la Convention sont passées très vite. Le Bureau international du travail a été très préoccupé, très occupé à donner suite à des demandes d'informations, à des formations émanant de toutes les régions du monde, notamment de l'Afrique, où nous avons organisé de nombreux séminaires nationaux, par exemple à Maurice et au Sénégal, pour la région SADAC, ça c'est l'Afrique, Afrique Sud, le CEMAC, le CDAO, et pour les pays francophones, et maintenant cette activité pour les pays ici. De plus, de nombreux acteurs privés du secteur, entre autres la Société internationale de classification des navires, ont été d'un grand soutien et se sont très vite mobilisés. Et je dois dire la même chose pour l'Organisation internationale des amateurs et l'Organisation internationale des gens de mer, ISF-ITF. Je suis très touchée par l'intérêt porté à cette convention. Récemment, j'ai eu à prendre la parole à l'occasion d'une conférence à Singapour la semaine passée pour me pencher sur la mondialisation et le défi qu'elle pose au secteur aujourd'hui ici au Bénin. Et dans les semaines qui viennent, je serai dans les Antilles et en Amérique du Sud. Les débats auxquels j'assiste me font réaliser que finalement tous les pays qui ont des intérêts maritimes sont liés par un intérêt commun, leur dépendance par rapport à l'océan et par rapport aux gens pour lesquels ce dernier est un lieu de travail. À même égard, cet intérêt est l'expression de la réalité à laquelle nous sommes confrontés dans l'économie globalisée d'aujourd'hui. De plus en plus, les événements de ce siècle, qu'ils soient d'ordre économique, social ou environnemental, nous rappellent à une réalité, notre interdépendance. Il s'agit là d'un important aspect du phénomène de mondialisation. La mondialisation peut être une chance, mais aussi nous savons tous qu'elle présente aussi de nombreux défis, notamment un risque de course vers le bas qu'il nous faut éviter à tout prix. Pour assurer que ces défis sont pleinement pris en compte, une approche plus globale, plus intégrée et plus coopérative s'impose. Le MNC, qui est le résultat d'une initiative des amateurs et de gens de mer, a été élaboré d'une intense consultation tripartite internationale ayant duré plus de 5 ans et qui a mis à contribution plus de 100 pays. Elle avait pour objectif de servir de 4e pilier d'une activité maritime pour compléter et pour renforcer les principales conventions maritimes de l'Organisation maritime internationale, l'OMI, relative à la protection de l'environnement, mais également à la sécurité et la sûreté des navires. Levé et Macor dans le monde maritime qu'on connaît tous très bien. L'importance de cette approche et du travail récent a été reconnue par les pays membres de l'OIT en 2008 lorsque la conférence internationale de l'OIT
la justice sociale pour une mondialisation équitable et qui a été renforcée par l'adoption par la Conférence internationale du travail en 2009. À mon avis, le NLC représente un bon exemple d'une approche axée sur la réalisation du travail décent dans le contexte d'une industrie globalisée. Elle est destinée spécifiquement à aider à la réalisation de deux objectifs, à savoir mettre en place des règles de jeu équitables pour les amateurs d'un côté et d'assurer de l'autre un travail décent pour plus de 1,2 million de gens de mer du monde. À recommandation qui porte sur presque tous les aspects des conditions décentes de travail de vie des gens de mer. Qui plus est, le NLC met en place un solide système de mise en application et de conformité basé sur les inspections qui se veut efficace, peu importe l'itinéraire du navire. Elle introduit pour la première fois pour l'OIT la certification par un pays, l'État du pavillon, des conditions de travail des marins à bord de ces navires impliqués dans le trafic maritime international. Sans certificat du travail maritime, et lorsque la Convention l'exige, les conditions à bord des navires feront l'objet d'inspection et de contrôle de l'état du port. Par ailleurs, au terme de la Convention, les pays adhérents doivent adopter une approche d'un traitement pas plus favorable lorsqu'ils ont affaire à des navires battant pavillon des pays n'ayant pas ratifié la convention qui rentre dans leur port. En d'autres termes, dès son entrée en vigueur, la NLC aura pour vous annoncer que le Parlement du Bénin vient d'autoriser la ratification de la convention du travail maritime. Cela témoigne de la volonté du gouvernement et du Parlement béninois d'améliorer les conditions de travail et de promouvoir le développement de ce secteur. Les pays de l'espace béninois vivent tous les mêmes réalités et sont concernés à plus d'un titre par les instruments subventionnés. Mesdames et Messieurs, le présent atelier s'inscrit dans une activité promotionnelle de l'OIT en vue de la ratification des conventions sur le travail maritime et le travail dans la pêche. Vos travaux devront permettre d'aborder en profondeur les dispositions de ces conventions à la lumière des législations et des pratiques existantes dans vos pays respectifs, d'identifier les obstacles à la ratification et de discuter des solutions et des coopérations avec l'UEMOA.